Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. La fin élection président Jovenel Moïse organisé. D'abord, pour élection ta capable organiser dans fin année. Nous demandons à M. Jovenel pour te arranger, pour te gagner un contrôle de sécurité tight ou bien total à faire avec le pays. C'est un premier élément. Si pas une sécurité tight ou bien en peur, les affaires élections, la parole est extrêmement difficile pour lui. Parce que vous retournez, vous avez des boîtes crasées, vous avez des bureaux crasés, on a des choses. C'est-à-dire qu'il faut avoir une sécurité qui est vraiment tight pour organiser l'élection. Nous tournons pour JAP, nous pourrons nous disposer disponibles pour nous soumettre 7 points. Capable d'aider au niveau sécurité qui est un élément important pour le pays, pour donner le pays de sécurité. Parce que nous remarquons qu'il y a des affaires kidnapping qui tellement monté dans le pays, sous Jout, maintenant nous passons à la ville quotidien sous PM Claude Joseph. Donc de ce fait, nous même dans Fochap, nous pas seulement Chita, pour nous plonger droit, nous avons fait identifier le problème. Identifier le problème, c'est quand il n'y a pas de solution. Mais je dis à la nous Chita, non seulement nous avons identifié, mais nous pour nous proposer des solutions aussi. Parce que des bois habités pour le problème, c'est qu'il y a des solutions pour lui. Donc, comme nous avons 7 éléments, 7 points de solution, nous prenons Fochap pour nous soumettre à chaque gouvernement, ainsi que le président Jovenel, pour être capable de mettre en application, pour être capable d'éradiquer ou éliminer définitivement les affaires kidnapping ça en Haïti, qui presque vit une comme une religion. Parce qu'il y a, lui retourner le vent au monde, il a fait pris tant que patate, tant que mango, tant que machine, tant que ticabrit. Mes amis, ça n'est pas belle, il n'y a pas bon pour l'image. Eh bien, tout le monde qui a dénoncé chaque jour, il n'y a pas bon, il n'y a pas. J'ai une proposition de solution. Qui était un secteur de l'opposition, qui était organisation, et bien dans Fochap, nous déjà fait la différence, et nous pouvons faire la différence, et bien ces solutions à proposer. Et bien dans Fochap, nous avons 7 éléments de solution, nous pouvons nous soumettre à la nation, hein, et pour le président, d'abord, mettez en application. Nous ne pouvons pas citer maintenant dans la presse. Alors, nous que nous citer, bandit va commencer à nous tout, des réponses par rapport à la solution. Mais puisque le problème est là, et bien nous avons des solutions, des éléments de solution à proposer. Et de telle sorte que nous sommes capables d'éliminer les affaires kidnapping ça en Haïti d'ici 3 mois. On monte pour moi kidnapping, on kidnappe à tourner vol, jouement pour le monde. Sur le monde, dit moi-même non. Même si tu es kidnappé, la dit pas comme ça, par rapport avec technique que nous-mêmes nous parlons de mettre en application pour éradiquer le passé par sa trop. Regardez qu'on a nous sur 3 semaines. Il y a un groupe religieux fermé dans un groupe monde. Ah, mais non, mais ça vous fait bien. Est-ce que quand il y a vu là, il y a des citoyens là dans la zone ça? Oui, il y a des citoyens au l'état. Il y a des protestants, il y a des vaudouisants, il y a des catholiques. Si tu es le président qui a vu dans la zone, tu as connu. Si c'est un député qui a vu au côté de kidnapper, il a connu. Si c'est un magistrat, il a connu. Et bien, pour qui ça qui a kidnappé, qui a vu au côté de citoyens paisibles et honnêtes, il va connu. Pour qui ça, il va connu. Et bien, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'organisation. Et bien, vu qu'il y a un manque d'organisation, ça a déjà fait partie des points. Il y a une phrase dans le point pour nous mettre, le président Jovenel avec chef CSPN, pour qu'il mette en application avec ses points. Même si on a remis en train de kidnapping, il a dit, ouais, je vais entrer, je vais côté pour mettre, parce que je vais côté mal caché. Quel soit côté mal caché, il y a plus de tout, mais il y a. L'armée pour venir faire. Nous sous combien? 3 semaines. 3 semaines? Oui. Mm-hmm. Depuis là comme ça? Oui. Depuis là comme ça. Mais c'est. C'est pas plus que 3 semaines. Bon, ça veut dire patra alors. En patra, non, oui. On va parler de travail qu'a fait dans le travail là. Travail ça n'en est pas 2 mois là, 2 mois et demi. Mm-hmm. Mais et, nous ne connaissons qui raison que le travail va avancer. Bon, nous ne connaissons. Parce que la mairie et. Te dit qu'il y a une levée patra nous n'est pas 10 semaines là depuis pas jamais. Mais qu'on est là mon yo et faisons un oui, site de décharge. Oui, après là. Mais et à cause de route à couper là,
Les lapis tombés, comment ça est là? Bon, moi-même, c'est dans les pastas qui habitent là, mm-hmm. mon cher, il n'y a pas bon pour nous. Nous sommes obligés à faire l'émergence, nous, les gens viennent jeter patra, nous, les gens qui parlent ensemble avec eux, ils mettent patra pivot, mais les gens qui ne pas accepté avec ça, ils prennent l'île, ils la dit là, c'est nous-mêmes qui prenons l'île, ils sont obligés de prendre l'île. Tout le monde est là, il y a des gens qui sont responsables de ce qu'on fait là. Parce que il y a des mairies qui sont apprises à faire des gens qui sont venus à la fille. Il y a des gens qui sont responsables de service pour faire propre dans la rue. Service Wari, qui sont apprises à faire des gens qui sont venus à la fille. Là, c'est un véritable site de décharge. Oui. Mais qui message vous avez lancé à l'égard de Maïssa ou Sanjedi? Oui, c'est même qui m'a commis. Oui, je t'ai remis non c'est bon, m'a dit maintenant si c'est ça qui a fait jodi là pour on est qu'à sortir dans état dans ça nous là parce qu'il pas bon pour nous. Nous dans moment la pluie va tomber là, il pas bon pour nous. Mais pas la magistrat, on va pas la magistrat là. Bon, il faut un message par le magistrat parce que on connaît son équipe pour plier. M'a quoi pas connait si fait un message comme s'il passé pour ta retirer patra. Est-ce que c'est vini nèg yo pas vini pour vinn faire propre? Est-ce que c'est vini yo pas vini parce que on est jeudi son équipe propre en ville? Moi me voye message là, même te si m'va dans mairie comme jeune opportunité là pour me voye message là. Dispo ta vinn faire ça pour. Ministre Justice et Sécurité publique la Maître Félère Vincent qui lancé jeudi 29 avril 2021 deux jours formation pour commissaire Axim Titi, commissaire gouvernement qui sorti dans tout pays. Formation ça a déroulé dans l'école magistrative sur route frais a fait sous blanchiment l'argent. C'est une démarche qui visait par commissaire Axim Titi, commissaire gouvernement aux outils pour agir contre blanchiment qui a une grosse conséquence sur le fonctionnement société a, d'après Maître Félère Vincent qui rappelait l'importance d'une initiative comme ça. En suivant. Le blanchiment des avoirs constitue, mesdames, messieurs, l'une des infractions les plus dangereuses à l'ordre public et à la paix dans le monde. Il envahit de plus en plus les espaces financiers et corrompt conséquemment les structures nationales en touchant négativement les bases économiques et politiques de la société. Ce phénomène pervers, provenant en grande partie du trafic illicite de la drogue et des stupéfiants, a des effets pollués sur l'intégrité du pays et menace la fiabilité de notre système financier qui, jusque-là, résiste avec véhémence. À cette phase, il faut noter les efforts clairs, non équivoques et l'engagement sans conteste et constamment renouvelé du gouvernement de la République dans cette lutte acharnée contre ce crime transnational. Ce matin, j'organise cet atelier à l'intention des magistrats debout, administrateurs de la poursuite pénale, dans l'objectif de renforcer et de mettre à jour vos compétences et votre dynamisme dans cette mission qui vous est spécifiquement dédiée. Il s'agit, entre autres, de la mise en œuvre d'une des recommandations du groupe d'action financière de la Caraïbe, GAFIC, formulée lors de l'évaluation mutuelle d'Haïti en 2018. Pour l'essentiel, ces recommandations concernent l'incrimination des actes de blanchiment de capitaux et d'autres et d'actes associés, le renforcement des mécanismes de détection et de répression, la formation des autorités judiciaires, à savoir les commissaires du gouvernement, les juges, les agents de la police judiciaire, le renforcement de la réglementation financière et celle applicable aux institutions non financières désignées, la mise en place de mécanismes de surveillance par les risques, tant pour les institutions financières que pour les institutions non financières désignées,
le renforcement de la coordination et de la coopération nationale. Ministre Bokote, Premier ministre, qui est responsable de questions électorales avec relation avec parti politique, Mathias Pierre, annoncé processus pour organisation élection avec référendum non à poursuivre. Ministre Pierre expliqué à partir 15 mai 2021, premier groupe matériel non sensible à entrer dans le pays. Pendant les faits qu'on met, budget pour référendum non évalué à environ 40 millions de dollars américains. Ministre Mathias Pierre t'a pris pour une question collaborateur nos gens, Serginio Lindor, dans l'émission Mise au point sous TNH, en suivant. Nous engageons un processus très clair. Il y a un référendum, il y a une élection qui est pour faite. Président consacré. Trois projets dans l'année. Deux là-dedans, c'est élection avec référendum. Et nous-mêmes, nous avons une charge technique qui pour nous assurer nous, que le processus a lié en cours, que disposition prend, que les fonds nécessaires sont même décaissés qui pour aller et nous sommes capables de supporter le processus. A. Donc nous avons fait le travail technique ça et nous avons fait tout ça nous connaît pour nous mener à bon port. Combien de référendum a coûté le pays? Selon le président de CEPA, le référendum a supposé coûter autour de 40 millions de dollars, et dont 20 millions est versé dans le fonds fiduciaire qui pour permettre de financer avec accord qui signe entre PNUD et l'État haïtien pour bailler support technique et logistique à CEPA. Et puis, et certainement, dans le cadre préparatif élection Cap Vinio, gagné en deuxième et 9 millions de dollars, et disons 9,2 millions de dollars qui versaient en deux baskets fondants, toujours pour faciliter le processus préparatif élection avec référendum, puisqu'on a besoin de 4 mois à 4 mois et demi avant le jour vote là, pour capable faire des préparatifs, commandes de matériel. Et le 15 mai, il y a un premier groupe de matériel non sensible qui a privé dans le pays, tri qui a commencé à faire, il y a un personnel qui a recruté et dans différents bureaux électoraux et départementaux et communaux, 477 personnes, ils ont formé pour être capables de préparer pour faire l'élection. Donc, on pense que l'évaluation centrale du bureau de vote à 80% plus, ils ont complété. Et je vous dis, la cellule de sécurité électorale, là, lui-même, l'a travail d'arrache-pied pour garantir la sécurité de bien, espace et en dans l'élection. Avant l'élection, jour élection et après élection. Donc, on pense jusqu'à présent, le processus a avancé et a bouclé. Vous dites 40 millions, l'État haïtien a bâillé combien pour 40 millions? L'État haïtien, de manière indépendante et comme l'État souverain, a financé le processus électoral jusqu'à présent. À 100%? L'État haïtien, de manière souveraine, dans les règles démocratiques, a financé le processus électoral. Vous avez dit tout à l'heure, il y a un rapport logistique que PNUD et Dubaï, dans le cadre des réalisations du référendum. Accord avec PNUD et UNOPS qui vous permettent de support technique et logistique, mais fonds fiduciaires qui permettent de gérer bagaille ça, c'est l'État haïtien qui contribue là-dedans pour faire des travaux. Mais est-ce qu'on a toujours compté sur PNUD après notre groupe là, parce que nous connaissons les Nations Unies en dedans de groupe là, elle dit que le processus là. Il est estimé que le pas transparent, le pas inclusif, le pas... Le fait de dire, dans la même note que me lien, que peut-être même note que lien, qui dit que nous souhaitons que nous estimions préoccupation parce que nous pensons que le processus doit être inclusif et il doit être transparent. Et je pense que, est-ce que ça fait une opposition à ce processus-là? Moi, je ne crois pas que c'est une opposition à ce processus-là. On conseille pour que y ait plus d'ouverture, pour que y ait un accord politique. Et je vous dis, nous prenons au niveau gouvernement, nous avons fait ça incapable pour que y ait un accord politique. Oui, état-major, police nationale d'Haïti a remis certificat diplôme jeudi 29 avril 2021 par 200 techniciens qui se prennent formation sous coup conduit avec prise en charge véhicule police nationale d'Haïti. Projet ça qui baptisé prise en charge en véhicule niveau 1 à permettre entretien et réparation machine yo fait à temps. En suivant.
200 policiers mécaniciens sa yo sorti dans plusieurs unités spécialisées dans la police nationale là tant que SWAT, BLTS à Polifont. Après série formation sa yo, policiers sa yo bra gen responsabilité pour réparer et puis assurer entretien véhicule police nationale là. Selon directeur général PNH là Léon Charles, commandant chef PNH là dit il souhaitait joindre collaboration chaque agent d'institution pour faciliter réussite projet ça. Ces deux facteurs qui réduisent considérablement la mobilité des unités de police centralisées territoriales doivent être mis sur le compte d'une mauvaise manipulation des véhicules et de manque d'entretien. Mesdames, Messieurs, si la mauvaise gestion des matériels roulants a, depuis quelques années, été identifiée comme l'une des principales faiblesses de la PNH, il fallait maintenant trouver la stratégie permettant de passer de la parole aux actes. L'idée de mettre sur pied un programme destiné à relever le niveau de compétence des mécaniciens qui pilotent les véhicules aussi bien que ceux qui doivent assurer leur entretien ne pouvait être accueilli qu'avec enthousiasme. Grâce au support de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, quelques 200 mécaniciens de la PNH ont été sélectionnés pour suivre une formation continue dans leur champ de compétences. Toutefois, les difficultés liées aux turbulences sociales et à l'apparition de la COVID-19 n'avaient pas permis la clôture officielle de ce programme qui a duré 3 ans, soit de février 2016 à août 2019. Mesdames, Messieurs, le plan de développement 2017-2021 prévoit de consolider la capacité opérationnelle de la PNH à travers le volet logistique. Ce programme de formation continue constitue un pas décisif dans la bonne direction. Représentant ambassade États-Unis en Haïti, David Mosby, fait qu'on est. Gouvernement américain a continué à supporter PNH là, dans aider les joindre formation et matériel qui permettent aux policiers de bien servir la population. Les États-Unis sont un partenaire engagé de la police nationale d'Haïti. Il est clair que certaines unités, telles que le SWAT, le BLTS et la Polifront, sont mis en avant dans les médias pour leur travail visible sur le terrain. Mais le travail de mécaniciens et techniciens de la PNH, certes moins exposé médiatiquement, demeure l'élément vital. La condition sine qua non sans laquelle l'organisation ne peut fonctionner. La PNH, comme on le sait, tous est une organisation avec des moyens très limités. Cette réalité rend votre travail encore plus indispensable au bon déroulement des opérations. Votre capacité et vos connaissances dans la réparation et la maintenance des véhicules de fonction, de les garder en bon état, assure à la fois la sécurité de vos collègues sur le terrain, mais contribue également à la sécurité de vos concitoyens. Mario Gusma, premier lauréat dans la promotion ça, promet pour l'appliquer, ça le recevoir dans la formation. Une prise en charge consciencieuse et de pouvoir relever les défis de la modernisation de l'industrie automobile en matière de réparation avec un jugement scientifique, le respect des normes, l'intégrité et la discipline. Programme formation s'ajoute un support financier plusieurs partenaires internationaux, parmi eux ambassade américaine. Directeur général police nationale d'Haïti, Léon Charles, a annoncé toutes dispositions déjà prises pour freiner les insécurité et kidnapping en dans pays. Numéro 1 PNH a demandé collaboration chaque citoyen et citoyenne pour traquer Zak Bandio. D'après DGPNH, Léon Charles, question insécurité pas affaire un secteur, mais c'est affaire tout secteur dans la vie nationale. Pour elle promettre, PNH pourra être plus présent dans tout coin, dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Plus de détails dans le micro, Midra Emilia avec Maxo Joseph. Il y a un recrudescence de cas d'enlèvement. La police dans le travail dans la mission, elle a continué à chercher en face, de façon spéciale pour répondre à menaces. Au Bralway, nous continuons à faire, et ça nous toujours fait, renforcer la présence
la police, hein, mandé des CPJ pour les diligenter enquête pour que même si pas gain libération d'otage, mais information que nous collecter après qui permet nous remonter à sociaux, remonter à groupe de bandits qui fait ça, cap et multiplier les axes pour nous capables de joindre en façon pour nous mater le phénomène ça et bailler pour la population sécurité. Mais m'a profité dit à toute population hein, que gagner 40 cas d'enlèvement, mais nous remarquons à chaque cas d'enlèvement, il y a un blocage des rues, il y a des autres qui fait dans la zone. Car comprendre l'émotion que ça est présenté, ça fait dans le kidnappé des citoyens et ça, nous n'avons pas pas content. On a aimé que la population, hein, au lieu que nous bloquions la rue, au lieu que nous augmentions le problème, travaille avec la police pour les capables de jouer une façon pour résoudre le problème, jouer un espace pour résoudre le problème. Non, mais ce n'est pas bloquer la rue qui va permettre de jouer libérer les gens. C'est travail pour nous faire avec la police, pour jouer une information, pour l'identifier côté mounioé, pour l'identifier qui est-ce qui fait, qui tendance, pour qui ça tout enlèvement ça en même temps, et pour le café travailler. Donc, collaboration police-population, il faut être plus ferme, plus serré, pour que en toute quiétude, pour que la police a fait travailler et joue une solution finalement avec Kassayo. Mais ou bralouet que la police a plus présent, et des fois même sous Pawen, bien côté nous là, pour nous être capables de comprendre plus bien le phénomène et porter une solution avec elle le plus vite que possible. Faculté sciences infirmières à l'Université Notre-Dame d'Haïti. Réalisé en messe jeudi 29 avril 2021, ma mémoire étudiant Marilyn Flora Méristan, un étudiant faculté sa rejoint assassiné lundi 26 avril 2021 dans la commune Taba. Marilyn Flora Méristan, qui est un étudiant qui était intéressé en pile avec étudiant, d'après témoignage monde qui te connaît dans la faculté. Dans ces circonstances, la moi, jeune étudiant dans la faculté a souhaité Zach sa suspend dans la société a pendant souhaité courage et persévérance à la famille des faits. Jocelyn Pierre, Abdino Plis. C'est en présence plusieurs camarades, amis et responsables faculté à Messa chanté dans l'idée pour rendre hommage à Marilyn Flora Néristan, étudiant 32 l'année qui était dans la deuxième année de sciences infirmières dans l'Université Notre-Dame. Nous organisons matinée de prière, ça c'est en mémoire de Marilyn Flora Néristan, élève de deuxième année de la faculté. Ensuite, c'est pour rendre mémoire avec elle, parce qu'elle était parmi nous, c'est notre consoeur. Alors, c'est pour ça que nous rendons hommage à l'Ijodia dans la matinée de prière. Ça. Et puis, tout au long de la journée, il y a des expositions de ces photos. Alors, tout le monde qui a passé dans la faculté a dit, pour le monde qui était connu Flora, pour dire ça, Flora est représentée pour eux. Marilyn Flora Néristan a déjà fait stage dans l'hôpital La Paix d'Elma 31. Plusieurs étudiants faculté a quitté Connelly. Témoigner bon comportement Marilyn Flora Néristan te gagné pendant passage li dans l'école là pendant journée la prière à réflexion ça qui fait dans mémoire li côté photo li te exposé sous toute la cour. C'est ton demoiselle qui était toujours souriante, elle était toujours gain engouement pour travailler l'école li parce que sous la cour l'école là elle était toujours demandé enelio information comment que elle était ca avancer avec études li. Alors c'est ça m'a dit de Flora. Et pour moi qui était plus proche pour Flora m'a dit au courage. Et puis pour l'autre jeune, je m'a dit prudence parce que si on dit nous c'est demain pays, il faut nous protéger tête nous pour demain pour pays à compter de nous. C'est avec un pile choc nouvelle la trivé jeune camarade Marlinio d'après Lucentia Etienne, membre comité central faculté a. Jeune fille ça qui dans troisième année sciences infirmières, quoi c'est une nécessité pour jeune yo faire prudence pour empêcher yo continuer victime dans condition ça yo. Ça a choqué nous et ça a relevé un moment de on peur pour nous la caille nous-mêmes parce que je dis assez Flora mais demain nous ne savons pas qui est dans nous. Ça veut dire pour nous-mêmes que nous devons être plus prudents parce que nous ne savons pas demain qui est la pied. Alors nous avons fait plus prudence, veillez tête nous, de plus que possible.
Lucentia Etienne mandé autorité yo fait lumière sur la mort Marlene Flora Néristan pendant li souhaité si la cap fait mauvais ak yo prend conscience pour moun capable vivre dans tranquillité dans pays ya. Office assurance travail maladie et maternité mettait en bout mercredi 28 avril là dans des journées ateliers institutions organisées sous fonctionnement assurance au Fatma. Activité ça réunit plusieurs personnalités dans fonction publique là avec entreprises privées qui assurent dans au Fatma. Quand ça ensemble Yoshita parlé sous problème y a confronté dans question assurance au Fatma. Discussion au Téchita tout sous qui j'en ai joindre une solution qui permet au Fatma améliorer qualité service assuré lié dans intérêt bénéficiaire. On suit plus de détails dans micro Marie Dieu d'honneur tout. Deux journées échanges yo té occasion pour responsable au Fatma yo ak différents secteurs qui assiré nan au Fatma chita sous difficulté y a rencontré nan système nan et puis réfléchir sous pi bon moyen kap permet yo améliorer service y a pour fri clientèle là. Pendant deuxième journée an technicien yo interagi ak représentant différents secteurs yo sous procédé assurance lan et puis expliquer yo raison ki la cause yo conjoint complication nan système nan. Pi gros problème assurance nan c'est surtout question de barème nan et question de barème nan c'est-à-dire que ça yo payer médecin yo prestataire yo centre hospitalier yo les moun nan prend soin pour ak médical que yo posé yo et ak chirurgical que yo posé yo barème nan son barème qui daté qui gain plus de 20 ans. Donc il pas ka kembe encore, c'est peut-être ça nous toujours en pour parler avec ministère des finances et gon équipe technique de ministère et au Fatma cap monter pour que yo statuer sous question de barème nan pour yo wè comment yo capable améliorer parce que c'est yon nan problématique et assurance nan au Fatma victime de propre succès li. C'est parce que au Fatma offrit un pile l'autre produit de jour en jour à innover et de jour en jour gain plus monde qui rentre dans l'assurance au Fatma et yo vinn plus exigeant tout envers au Fatma. Donc ou ka comprendre réalité payer moyen yo très maigre mais n'a travail d'arrache-pied pour nous renforcer le système de soins nous et pour nous offrir un service de qualité. Directeur général Ofatma qui dit li conscient de problème assuré yo a fait face promet office assurance travail maladie ak maternité Ofatma pral travail pour améliorer et puis renforcer qualité soins ak service y a offrir population. Première dame République la Martine Moïse avec ministre santé publique avec population docteur Marie-Greta Roy-Clément organise inauguré samedi 24 avril là un 4e centre santé dans Brostage commune Dondon dans département Nord pays. C'est trésor public qui finance centre santé ça pour 10 millions gouttes. Projet ça bénéficier support logistique et puis technique ministère santé publique avec population. Sabine Jaitienne avec Lydie Dieudonné a bannou plus détails. Nouveau centre santé commune Dondon a mette fin à calamité moun nan zone sa qui pa gen accès à soins santé. Ministre santé publique la docteur Marie-Greta Roy-Clément expliqué pote soins santé bay population nan kelkan soit zone yoye an dan peyi a, c'est youn nan gros défi autorité sanitaire yo vle rezoud. Inauguration nouveau centre sa nan commune Dondon qui nan arrondissement Saint-Raphaël qui gen environ 40 000 moun k'ap viv la dan. Dans 5 sections communales, vin gagner pour Kounia 3 institutions santé qui là pour bail population en bon gens soins kayo nécessité.
institution sa yo, c'est Centre Santé Gros Stage que n'a inauguré aujourd'hui, Centre Santé Dondon et dispensaire Saint-Joseph. Dans l'idée pour rendre le système santé à Pidjam, pour plus de monde capable de joindre plus de services la santé, Centre Santé a capable d'offrir tout service nous pral citer là yo. Service la santé pour maman et petit monde, soins pour femmes enceintes et accouchement, planning, vaccination, suivi dans affaires nutrition pour petit bébé et petit monde, consultation générale, consultation pour petit bébé et petit monde, examen laboratoire, premier soin, les gains urgence 24 sur 24. Mise en place Centre Santé Brostage là, c'est une étape en plus qui franchit dans la vision président Jovenel Moïse gain pour commune Dondon. Première dame Nan Martine Moïse expliquait projet ça visait bien-être tout le monde, et spécialement femmes et petit monde petit. Mon Dondon, nous gain Centre Santé panne. L'important que tout le monde dans pays a ka vivre en santé, spécialement femmes avec petit monde yo. Parce que en pile fois, des maladies qui tombent sur yo qui fait que vous venez vulnérable. Une population qui est en santé, c'est une population qui a contribué à développement zone, son population qui a contribué à développement pays. C'est peut-être ça, président Jovenel Moïse, qui comprend que la santé, c'est un facteur important dans le développement, vivre dans la communauté pour que cette santé ça nous a joindre et que le développement durable Haïti a commencé. Bon ici, non, non, non. Parce que chaque côté qu'on cette santé, nous avons dit que nous ne pas vivre plus en santé. Nous avons dit que nous pouvons aller vers le développement. Cette santé Brostage là fait en tout 4 structures comme ça. Première dame Nan Martine Moïse inaugurée, sortie 23 pour arriver 25 avril 2021. Désormais, Grande Rivière du Nord, quartier Morin, Bodmer Limonade et commune Dondon, après aller en souffle dans la question santé. Coordonnatrice Chine Friscoa, Adem Chima Joseph, ensemble avec responsable vente artisanale Mirlène Ménard, invité population dans un foie gastro-artisanal et a organisé dans le local institution Saint-Louis Gonzague dans section secondaire. Activité ça a déroulé pendant 2 jours, sorti premier pour arriver démener en baptême, poté collé pour changer figure qui est sinon. Un extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec Eddie Sineus. Moi invité population dans une foire que nous avons organisée qui a fait samedi 1er mai et dimanche 2 mai dans la cour Saint-Louis-Gonzague. Les gens qui viennent participer ensemble avec nous, n'a pas joué des belles produits que exposants nous a préparé pour le moment pour venir exposer. Et en plus, il y a joué un bon gens manger local. Moi j'ai 25 exposants qui ont participé avec nous. C'est une porte ouverte que liée. Les gens ont rentré à l'aise. Mais connaît que les que li entré faut que li acheter produit yo. C'est seulement ça que nous demandons la mère. Tout le monde qui a venu participer, grand monde, petit monde, jeune monde, tout le monde est invité. Artisanat a participé dans fort là, dans fort gastro artisanal là. Nous même nous représenter des produits des cartes qui fait avec peu en couleur Bristol qui fabriqué au pénitencier national pour des prisonniers. Alors yo fabriqué carte ça dans l'intention pour répondre avec besoin quotidien, pour manger un plat manger, pour habiller, mettre à tout, et pour jouer une démarche pour payer une nouvelle liberté. Donc nous, après un fois, c'est jeune à jeune, alors Chine Presco met fait une fusion avec Katizana pour que nous puissions exposer de toutes sortes, de toutes occasions. Nous avons invité Mouno, quelle que soit la couche. Pour retrouver dans la société, ya, samedi 1er mai, 2 mai, c'est une façon pour prouver que vous supportez les jeunes dans l'initiative ça, vous supportez les jeunes parce que pas de l'autre moyen que nous vivons, c'est une supporter l'autre, c'est une courir l'autre. Donc nous avons tout le monde passe, venez acheter cadre, venez acheter fresco, venez acheter tout le produit qu'on a gagné dans le fort. Nous avons 24 ans sous forme de don, prix minimum c'est 125 gouttes. Si on monde passe dans le fort, on va acheter 4 ans à 125 gouttes. Les gens doivent passer dans nous quelques supermarchés, ils doivent passer là nous quelques points de vente. Nous avons Delma 2000, nous avons Delima Turjo, nous avons Iguel Market qui est Delma 83, nous avons Canavel Market tout qui est dans le commissariat. Et pour les gens qui croient des missions, nous avons en face de l'église catholique là, nous avons supermarché, Caleb Supermarché, nous avons là. Nous avons dit tout, il y a des gens qui n'ont pas acheté 4 ans,
gen moun tout ki gen droit acheter 4 là li pa prendre li décide faire un don li bay 125 goud là et plus parce que me dit minimum gen moun tout ki gen droit pas acheter 4 là du tout li décide faire un don en espèce ou en nature dans qui sens l'aime dit en espèce tout pour nous il s'agit de quoi mais l'aime dit en nature moun gen droit porter busto li gen droit porter crayon couleur li gen droit porter tout bail que n'a gen besoin pour nous travailler voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petit cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.